Bienvenue dans la série des vlogs des stores, des magasins. Nous allons commencer avec TJ Maxx. Aujourd'hui, on va vous faire visiter Ross. Ross Dress for Less, donc s'habiller moins cher, est une entreprise spécialisée dans la vente des vêtements et d'articles de décoration pour la maison à bas prix. En fait, les magasins opèrent uniquement sur les territoires américains. Au contraire, par exemple, des TJ Maxx dont on avait posé la vidéo, on a posté la vidéo hier. TJ Maxx, vous allez en trouver en Europe, en Australie, ici aux États-Unis, au Canada également. Mais Ross, c'est spécialement ici aux États-Unis. Ça opère à peu près de la même façon que TJ Maxx. Les articles sont moins chers. Les articles de marque, donc vous allez les trouver à bon prix. C'est à peu près de la même façon que TJ Maxx, mais TJ Maxx, c'est un peu le haut niveau, quoi. Des fois, vous pouvez trouver le même article, par exemple, à TJ Maxx, la couleur, elle est vraiment brillante et tout, et vous trouvez peut-être la couleur terne, par exemple, chez Ross. Des fois, vous trouvez les mêmes robes, différentes couleurs, les mêmes marques aussi, mais en meilleur cas, TJ Maxx, en fait, c'est le meilleur choix, quoi. C'est pour dire que TJ Maxx, c'est un peu comme le number one s'il faut mettre ces stores-là ensemble. Donc, Ross aussi, c'est très bien, quoi. Ici, nous sommes sur Prospect Avenue. Donc, patientez avec nous. Bientôt, là, nous allons arriver à Ross. Voilà, nous prenons la gauche et puis nous allons prendre la droite. Voilà, c'est comme un petit mot. Et là, c'est l'entrée. Vous voyez Ross juste devant nous là. À droite, c'est Best Buy. Best Buy, c'est pour l'électronique. Là, ça sera pour un autre vlog. Voilà, Ross, on y est. On va trouver un parking et puis on va vous faire visiter. Nous sommes à l'intérieur, voilà, Lady Fragrances, parfum pour dames, parfum pour messieurs, c'est juste à l'entrée. L'emplacement est à peu près, est un peu différent par rapport à TJ Maxx. Voilà, vous avez des chaussures, dames, et puis il y a un rayon. Ben, comme dans tous les magasins, quoi, vous allez trouver, il y a côté femme, côté homme, côté adolescent ou adolescente, et puis côté enfant, quoi. C'est à peu près la disposition, sauf que c'est à peu près la disposition. Ça, c'est la disposition de Ross. TJ Maxx aussi à sa disposition dans les différents magasins des autres Ross dans les autres villes. Vous allez voir à peu près, c'est la même chose. Et des fois, on change de disposition. Vous allez voir, par exemple, au mois de juin, ils avaient changé les étalages, la forme et tout ça. Mais vous retrouvez à peu près, vous allez vous retrouver quoi si vous avez l'habitude d'aller faire du shopping là-bas. Donc voilà. Et je tenais à vous rappeler que ces magasins dans tous les states des États-Unis, tous les États, on a à peu près les mêmes magasins. Vous allez trouver Ross presque partout. Au moins dans chaque ville. Vous allez trouver Ross, vous allez trouver TJ Maxx, partout vous allez voyager en fait. Vous allez trouver Marshalls. Ici chez nous par exemple, on n'a pas Marshalls, mais à Chicago il y en a, à Oak Brook, dans les autres villes il y en a, et tout. On a HomeGoods également, on a Burlington aussi.
Donc, ça dépend quoi. Mais on retrouve, c'est l'emplacement, c'est comme ça que les États-Unis ont fait en fait, ils font leur business. Ils mettent un peu les mêmes stores dans les mêmes villes. Quand vous voyagez, quand vous voyez, et les articles, quand ils distribuent les articles, quand vous voyez là, des ketchups, des chaussures, sandales et tout, on distribue, quand ils distribuent en fait, chez nous par exemple, dans notre Ross, deux fois, vous allez voir des très 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 belles choses comme ça là, des articles d'été, des belles couleurs. Vous allez vous retrouver dans un autre Ross où il y aura des articles ternes, donc ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Dans les grandes villes, là-bas aussi, vous allez voir que vraiment, il y a, comment je dis, une ribambelle. Il y a vraiment une grande diversité, en fait, d'articles. Vous avez plus la possibilité de trouver des très, très bonnes choses quand vous y entrez. C'est pas... Ici, chez nous, deux fois, quand on entre comme ça, vous ne trouvez rien. Vous ressortez avec une ou deux choses seulement. Mais ailleurs, vous allez voir, vous avez vraiment le choix. Vous avez la décoration également, comme chez TJ Maxx également. C'est la même chose ici aussi. À bon prix également. Ici, c'est leur espace décor pour la chambre, pour le salon, cuisine et tout ça. Il y a un espace pour les marmites, il y a un espace pour des handymen, des gens qui aiment bien bricoler. Il y a espace décoration. Donc, suivez-moi à travers les images, comme ça, vous allez découvrir un peu Ross, quoi. Voilà un peu. C'était pour vous donner une idée, pour comprendre nos stores d'ici. C'est toujours dans la catégorie de notre série de vlogs. On continue, suivez-moi. Ici, c'est l'espace cuisine. Vous allez retrouver vos marmites, des poêles, les ustensiles de cuisine, les assiettes, les verres. En tout cas, à bon prix. À très bon prix, oui. Des gouloirs, les carafes, en tout cas tout ce qui est cuisine quoi. Si c'est l'espace cuisine. Et derrière c'est la même chose, vous voyez là-bas ce sont les tasses, vos saladiers, des histoires pour faire votre baking au four par exemple. La décoration ici ça continue. Donc voilà, il y a du tout, il y a des très bons articles également. Donc ce sont des magasins. Ou quand vous allez vraiment dénicher des jolies choses, quoi. Et à bon prix. Et c'est de la bonne qualité également. Voilà. Côté bathroom, salle de bain. Voilà, vos serviettes sont là. Et c'est vraiment à des prix, de fois, vous serez étonné. Vous allez voir une serviette, par exemple, à 8$, à 6,99$, 7,99$. Donc, c'est vraiment à un prix abordable. Un prix abordable. Voilà ici l'espace pour votre closet, garde-robe, votre salle de bain. La décoration, les coussins, les oreillers, les draps, les conforteurs. Il y a en tout cas du tout. J'aime bien faire du shopping chez Ross aussi. Quand vous prenez, mais il faut prendre du temps. Il faut pas y aller juste rapidement. Il faut prendre vraiment du temps pour dénicher des articles quoi. Faut vraiment prendre du temps. Les tapis, voilà, c'est un magasin où il y a tellement de gens là, je suis en train de ramasser des histoires que les gens ont jetées. Ben ici ils chopent, ils laissent en cours de route comme ça. Il y a toujours des gens, des employés qui viendront arranger ça après. Mais on était parti un samedi, alors le samedi deux fois c'est vraiment crazy où il y a plein de gens. Des fois ils n'ont pas le temps de classer. Donc voilà. Et de l'autre côté, c'est messieurs également. Chaussures, donc j'étais au début, j'étais côté dame, c'est côté messieurs. Les sneakers sont là. Il y en a de tout genre, de toutes marques. Et la qualité, c'est de la bonne qualité également. Ici, vous pouvez trouver des ketchups comme de la marque Jordan. C'est pas vraiment une série de Jordan comme thème, vous allez en trouver quelques-uns. C'est vraiment, si vous avez de la chance, il y a Puma, il y a Adidas, il y a Timberland, il y a plusieurs marques connues quoi. Mais comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, please, allez suivre la vidéo sur TJ Maxx et puis Marketplace Mall.
là, vous allez comprendre, vous allez comprendre en fait la série des idées, quoi. Pourquoi je fais ces vlogs-là. Par exemple, vous avez Champion et tout ça, là. Vous avez également l'espace valise, où c'est pour vos voyages, tout ce qui est sac, carry-on. C'est comme j'avais fait dans ma vidéo précédente. On essaie de vous faire voir, en fait, dans ces vlogs, on essaie de vous faire voir des différents magasins qui vous vendent des histoires, des marques de qualité également, mais à bon prix. Comme je disais tantôt, donc vous allez retrouver des articles, c'est pas une collection, voilà l'idée, c'est ce que j'allais dire avant. C'est, vous n'allez pas trouver une collection, pas quand on parle de collection, vous allez voir qu'il y en a là en détail, c'est toute une collection à côté. Si c'est Puma, vous allez voir que Puma, Adidas. Ici, en fait, vous retrouvez quelques-uns. Et ils rachètent chez des grands magasins, chez des gens, par exemple, quand c'est la fin des saisons, quand on change des saisons et tout ça, là, des articles qui restent. Et quand c'est des grandes marques qui veulent changer, n'est-ce pas? Ils veulent changer les étalages, ils veulent changer des articles pour la nouvelle saison. Ce sont des magasins comme Ross qui reprennent ces marchandises et puis ils vont venir revendre ça à bas prix. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre cela, quoi. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord avec TJ Maxx, je vous montre aujourd'hui Ross et puis je vais vous montrer Burlington, si possible Marshalls également. Et Home Good pour la décoration, là c'est vraiment 100% déco et tout. Donc on va y aller, ça va dépendre de vous aussi également, si vous êtes intéressé par vos commentaires, par ce que vous voulez qu'on vous montre, parce que le client est roi comme on dit, on aime bien que nos viewers également, nos followers, les subscribers, nous donne quand même un feedback, comme ça, ça va nous donner envie, n'est-ce pas? Ça va nous donner envie de faire plus de vlogs, plus de vidéos qui vont vous intéresser. Donc voilà, c'est pourquoi on fait cette série de vlogs des magasins. Donc voilà, on revient sur l'espace décoration, on vous montre un peu en détail. Vous allez trouver qu'il y a du désordre. Quand on ouvre les magasins très tôt le matin, tout est bien classé. C'est ça, nous les clients, quand on y va, au lieu de remettre, quand on prend un article et puis on pense deux fois, on se dit, ok, je ne vais plus reprendre, on dépose ça là-bas. C'est pourquoi vous retrouvez un peu qu'il y a du désordre dans les allées, quoi. Donc voilà, il y a du tout. Espace enfant, espace pet pour les chiens, chats et tout. Vos pets à la maison, espace enfant, voilà pour nos petits enfants, des chaussures, des ketchup, il y a du tout ici aussi, quoi. Voilà. Je pense que Ross, à sa manière, offre, n'est-ce pas, une certaine diversité en fait de produits qui va vous faire aussi plaisir. C'est à vous en fait d'avoir le coup d'œil, de pouvoir dénicher en fait les produits que vous voulez, qui vous intéressent et tout. Donc voilà un peu. Nous tendons vers la fin de notre vidéo. J'étais très contente de vous présenter Ross Dress for Less, s'habiller moins cher. Donc, stay tuned pour la suite. Nous allons vous faire prochainement Burlington. Vous allez découvrir. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, ils ont déjà une idée. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous allez découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. Please, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, nous attendons vos suggestions. Qu'est-ce que vous pensez de ces vlogs? Donnez vos suggestions, comme ça on aura des idées, n'est-ce pas, pour nos prochaines vidéos. Ok, des bonnes choses, bien bien, des bonnes choses chez vous, portez-vous bien. Et à la prochaine. Peace and love.